Ok, salut. J'espère que vous allez très bien. Et aujourd'hui, je vais faire le tutoriel d'explication de la vidéo de James Douglas que j'avais eu à poster. C'est une vidéo dans laquelle il a joué Give Thanks. J'avais posté seulement le jeu Piano MIDI qu'il a joué, mais je n'ai pas expliqué. Donc aujourd'hui, nous allons procéder à l'explication. Donc sans plus tarder, je vais vous rejouer la vidéo pour que vous puissiez écouter ce qui avait été joué, ce qui avait été joué. Donc vous allez écouter et après on passe à l'explication. Donc c'est pour vous rafraîchir la mémoire. Donc suivez. Ok, donc en bref, c'est ce qu'il avait joué, c'est ce qu'il avait eu à jouer. Donc, nous allons parler maintenant du tutoriel. Nous allons parler du tutoriel, d'explication de ce qu'il a joué. Donc, premièrement, il a fait. Donc nous sommes en gamme de sol dièse majeur. Donc c'est ce qu'il a eu à faire. Il a fait. Donc il n'a fait que le triton en fait. Ce n'est qu'un si mi là. C'est ça qu'il a fait en réalité. Donc il a fait une position ouverte du si mi là. Donc c'est ça. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, j'ai eu à poster une vidéo sur le 7-3-6. C'est ce qu'il a eu à utiliser. Il a fait une position ouverte du 7-3-6. J'avais eu à parler de tout ça dans la vidéo du 7-3-6. Donc vous pouvez aller suivre la vidéo et comprendre. Donc je vais continuer. Donc c'est cet accord. Maintenant, il a fait. Je vais parler des points vraiment, des points qui sont vraiment importants. Il a fait. Maintenant, il a fait. C'est pour résoudre vers cet accord. Mais il a fait la tension. Maintenant, il y a la gamme mineure mélodique du quatrième degré qu'il a utilisé. Donc, ce n'est que le quatrième mode de la gamme mineure mélodique qu'il a utilisé ici. Pour ceux qui ont suivi la vidéo, vous allez remarquer que il a fait. Ensuite, il a fait. En fait, c'est de cette gamme-là que cela provient. Si vous remarquez, on fait. Thank you.
C'est ça. Maintenant, il a fait un jeu chromatique de triton. Dans la vidéo de 7.3.6 aussi, j'en ai parlé, qu'on peut faire des jeux de modulation avec, on peut faire des jeux chromatiques avec le triton. Donc, il a fait. Là, c'est le triton en fait de cet accord qui est un oxy. Donc il a pris ceci, qu'il a renversé. Et il a fait un mouvement chromatique pour pouvoir venir vers notre mi. Ceux qui vont suivre la vidéo du 7.3.6, ceux qui ont déjà suivi cette vidéo que j'ai faite et j'ai postée, vont comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, suivez la vidéo si vous ne comprenez pas. Donc, l'affaire. Donc. C'est ça, un mouvement chromatique. Autrement dit, donc il n'a rien, il n'a fait que des tritons. Donc c'est ça, il a fait. Donc autrement dit, c'est là, c'est une sorte de progression de 6000 là, c'est la même chose. 7, 3, 6, c'est une manière, mais mouvement chromatique. Ce sont des positions ouvertes, donc c'est ça que je disais l'autre fois. On peut faire donc, c'est ça. Donc, je reprends. Donc, c'est un 5, 4. 1, 5, 1, 4. Donc, il appelle le 5 mineur 7, le 1, 7 et le 4 majeur 7. Donc, c'est un 2, 5, 1. C'est un 2, 5, 1 majeur. Le 7, 3, 6, c'est un 2, 5, 1 mineur. Le c'est un 2 5 1 majeur, donc il a fait maintenant donc il a fait en réalité, il n'a fait que c'est un accord de sol. C'est ça qu'il a fait. C'est une position qu'on utilise beaucoup. Ouais, il y a le triton. Donc vous pouvez utiliser ce truc-là dans des trucs, dans des morceaux, dans des morceaux, dans des mélodies. C'est-à-dire quand vous jouez des trucs, je prends un exemple. Ce sont des trucs qu'on peut utiliser même si je vais.
Vous pouvez utiliser ça, c'est un accord pour quitter. En fait, ce n'est qu'une progression pour quitter le sol pour venir au do. Donc, vous pouvez faire. Donc, ici, c'est un mouvement chromatique. Travailler ce type d'accord là. Ce n'est que ça qu'il a fait et c'est tellement simple. Et au retour, il a fait. Donc, il a juste changé le rythme de la vitesse de ce mouvement chromatique. Donc, on peut faire ça, ce truc là. Pour venir à la, on peut utiliser ça dans n'importe quel champ. Il faut que ça soit contextuel aussi. Donc, si je chante combien la gamme que je disais. Donc c'est cette gamme-là, la gamme dont je parlais ici. Donc ce n'est que cette gamme. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. Et rendez-vous pour un nouveau tutoriel. Partagez, abonnez-vous à la chaîne. Visitez souvent ma page pour voir mes actualités. Et soyez bénis. Merci beaucoup.